Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassadeur à la mission permanente, Madame Bakou, consul de Côte d'Ivoire, honorables députés ici présents, Monsieur le doyen, secrétaire général adjoint en charge des militants de l'extérieur, chers frères et sœurs, Monsieur le directeur général des structures étatiques ici présentes, chers représentants des chefs traditionnels, ministres des cultes, bonsoir. Je voudrais demander l'attention de tout un chacun ici. Allô? I'd like everybody to come closer and listen to what I'm going to say. It's very important. Because I think you all came from different areas today. From South America, from Atlanta, from California, to listen to this message concerning our President Alassane Ouattara. I'd like you guys to listen. Please, get close and listen. C'est un véritable honneur pour moi de me retrouver parmi vous, chers frères et sœurs de la diaspora, dont je suis un produit pur, pour vous adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu être présent à cause de son agenda chargé et vous savez qu'il représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui auprès des institutions de Bretton Woods à Washington. Ce grand commis de l'État, le fidèle parmi les fidèles, le loyal parmi les loyaux et comme on dit, le lion, le djaraba, est très heureux que vous ayez porté votre choix sur sa personne pour officier cette cérémonie d'hommage à Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence vous remercie et vous assure de son attachement à la diaspora et de son engagement aux valeurs que vous incarnez pour la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs de la diaspora, vous faites bien, oui, vous faites bien de rendre hommage à notre Nangama, à notre fils, au fils de Nabintou Sissé, Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, c'est convaincu de son talent d'homme de parole et en se référant aux valeurs cardinales qu'il incarne, que les populations ivoiriennes, dans leur majorité, se sont résolument mises aux côtés de Son Excellence Alassane Ouattara pour donner un second souffle après une longue période d'agonie due à plusieurs années de crise successive qu'a connu notre pays. Dès son ascension à la magistrature suprême en 2011, il a invité tous les Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique de l'union et de la réconciliation, gage de paix, facteur le plus déterminant pour parvenir à un rayonnement d'une société forte et émergente. En si peu de temps, le président Alassane Ouattara a démontré aux yeux du monde entier ses qualités de leader, d'économiste avéré et que la Côte d'Ivoire grandira et restera incontestablement une référence. Voici, mesdames et messieurs, le président de cette cérémonie, recevez l'ambassadeur Enzo Camara. On l'applaudit, s'il vous plaît, très fort. Merci, président. Madame le maire Nassere Batouré, représentant le patron de la cérémonie, Monsieur Coulibaly, représentant le ministre de la Défense, parrain de la cérémonie, Excellence Monsieur l'ambassadeur Hippo,
le représentant son excellence Kakou Adom, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire près des Nations Unies, excellence madame Annick Capé, conseil général de la Côte d'Ivoire à New York, honorable Issouf Traoré, député de Bako, monsieur le directeur des services Abdou Touré, mon jeune frère qui m'a fait plaisir, merci d'avoir pris ton temps et d'être arrivé ici hier. Avaka Koulibaly, merci d'être là aussi, du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur l'ambassadeur, j'ai oublié, je n'avais pas vu, m'excuse, petit frère. Monsieur l'ambassadeur Bakayoko, toutes mes excuses. Chers frères et sœurs, tous en vos qualités. Et bon. En tout cas, je voudrais, depuis ma bonne, féliciter José Touré et son ONG, ainsi que tous les frères et sœurs qui l'ont aidé à organiser cette magnifique manifestation pour reconnaître et rendre hommage à toutes les actions socio-économiques que le président Alassane Ouattara a initiées en Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Donc, quand je connais tous ceci aux États-Unis, je n'aime pas beaucoup parler. En tout cas, j'ai oublié de saluer mon frère Lars Pierre, qui est venu spécialement de d'ici. Il est en route pour Abidjan. Lars, vraiment merci. Quand tu m'as appelé hier, j'étais dubitatif. Mais tu es là, merci, merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, le temps n'est pas bon. C'est vrai qu'il faut parler, mais il y a pas mal de personnes qui vont passer après moi. Je voudrais simplement vous dire merci d'être venu ce soir pour magnifier le président de la République. Et les femmes, il vient chanter pour vous, car il va chanter pour la maman du président Alassane Ouattara. Oh yeah.